Bonjour à tous. Alors aujourd'hui en fait c'est promenade dans un parc qui est pas loin de Thionville. C'est le parc le château de Volcrange. Alors si vous passez dans la région, venez faire un petit tour ici parce que c'est vraiment super sympa. Et c'est une histoire de 30 à 40 minutes de marche. Donc, je vais vous montrer quelques endroits qui sont sympas ici. A tout de suite. Lorsqu'il fait beau, on rencontre énormément de merles. Le jour-là, j'étais assez impressionnée parce que tout le long de mon parcours, j'ai rencontré plein de petits merles. Là, il y en a un qui est derrière là. Alors, j'essaie de le filmer et quand il me voit, hop, il se cache. Alors moi, une paire de fois, quand j'étais dans les bois, je me suis pris une sacrée trouille parce que parfois on entend bouger dans les fourrés et on ne sait pas toujours ce que c'est. Et le temps qu'on a la trouille, on s'aperçoit en fait que c'est juste un petit merle qui fouille dans les feuilles. Là, il y a deux oiseaux, mais je ne sais pas ce que c'est. Revoilà mon copain, le merle. Là, c'est le château de Volcrange. Il est tout au fond du parc, enfin par rapport à l'entrée où je vais. Et en ce moment, il est en pleine restauration. Ça fait du bien de voir de la neige. Revoilà mon copain le merle. Alors on le voit pas très bien sur la caméra, mais en fait il est dans le ruisseau, en train de se chercher certainement des choses à manger. Alors cet arbre-là, je ne me suis pas vraiment penchée sur la question. Je pense que ça doit être un séquoia, mais je ne suis pas sûre, je ne suis pas experte en la matière. Mais par contre, je trouvais qu'il valait le coup de vous le montrer parce qu'il est vraiment énorme, quoi. Il fait bien 30-40 mètres de haut. Et moi je me suis amusée un petit peu à tourner autour parce que ça permet vraiment de voir à quel point il est grand.
Alors ici, ça y est, je suis rentrée. Je me suis vraiment régalée parce que c'est bien froid. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du froid comme ça dehors et du soleil. Là, ça fait une semaine qu'on a du soleil. Ça régénère un peu là parce que moi, je sais pas, je commençais un peu à pas aller bien là, avec ces nuages bas là, ce plafond bas là qu'on avait depuis un mois. Alors là, je suis contente. Là, j'ai fait mon gros plat de soleil là au froid. J'ai ma congelée, mais tant pis, ça m'en fait un bien fou. Alors pour venir visiter ce parc, c'est près de Thionville. Direction le Conaker. C'est à 5 minutes de Thionville. Enfin, j'ai dit 40 minutes de marche, mais je crois qu'il y en a un peu plus là parce que. Enfin, bon, j'ai en même temps filmé, mais pour celui qui fait le tour, il y a 3-4 km. Donc, c'est pas bien vilain. Et bah, ça fait une petite promenade comme ça avant d'aller en ville quoi. Moi, c'était surtout ça que je recherchais. Je voulais pas. J'aime bien marcher en hiver, mais j'ai pas envie de faire de la grosse randonnée là. Je me garde ça pour le printemps quand je pourrais partir à la montagne sur 2-3 jours. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Alors sachez que tous les lundis sur cette chaîne, c'est des vlogs nature, les mercredis des vidéos de vie quotidienne et tous les vendredis des do it yourself, donc soit des travaux, soit des petites créations. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt, au revoir.